J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour un vlog avec ma cousine qui est juste là et ma soeur qui est juste derrière en bas là. Et ben, on va à Saint-Malo et ensuite, après, on va aller à Mont-Saint-Michel. Mais avant tout, on va faire des courses pour. De quoi boire. Ouais, voilà, de quoi boire, de quoi vivre. Donc là, on va se préparer, on va se maquiller et tout. Et après, let's go! Ça va, c'est le bif, c'est natural. No. Make-up of the day. Yes. Aujourd'hui, ça va être make-up basique et simple. Ouais. C'est vraiment basique en fait. Ouais, ouais. Moi, je mets aucun truc. Tranquille, basique. C'est maman tout ce que je sors. Je te jure, t'es sorti ça. Alors, moi, vas-y, laisse tomber sa palette. Alors, une palette eyeshadow Nice. Un crayon pour sourcil Nice. Pour un pinceau, bien sûr. Ça, c'est. Le spray. Le spray fixant. Matifiant. Matifiant, ouais. Pas Nyx. Mal. Mascara waterproof de chez Kiko. Ah oui, ouais. Et une crème avant de ce make-up. Avent. Que j'ai eu dans un coffret Gloria. Ouais. Elle a dit quoi de Attends, je vais vous montrer ce que moi j'ai. Je vais utiliser Ziac. Alors, du coup, une poudre de fond de teint. Blush, crayon pour les yeux. Ça, c'est pour mes sourcils. Et de quoi faire un highlighter avec. Pour les yeux et tout. Et je crois que c'est tout. Et eyeliner. Voilà, j'ai oublié eyeliner. Ziac. Tadam! Moi salut. Let's go. Ah ouais, merde, je voulais faire un TikTok. Elle veut faire un TikTok. Attends, on va se mettre au bord. Ah oui, il fallait qu'on fasse l'outfit aussi. Attendez. Outfit. Vas-y. Robe, t-shirt, Bien sûr, un shirt. Basket. Les baskets de la vie. La vie. Avec le make-up aussi. Je ne vois rien. Dress. Les robes. J'ai la seule en t-shirt. C'est cool. Allez, let's go, c'est parti. On va faire les courses. On va à Carrefour. Yeah. Let's go. On va mettre les affaires dans la voiture. C'est parti, c'est parti. Oh, c'est bon, on fait le film. Donc là, on va aller prendre de l'alcool, la Jack D. Et oui, c'est parti. C'est parti. Là, il y a un peu plus de fort, je crois. Tu sais, il y a des, de la cannelle. Ouais. Oui, c'est la coupole. Ok, alors. On va là. Acheter de quoi. Tu veux prendre. Let's go. Je vais mettre à manger. Des cacahuètes. Oh, sorry. Non.
good. C'est comment dire? Merde. Tu vas dire good. Je sais plus. C'est vrai. Plus que tu... Mais regardez ce qu'on a pris. C'est... Que des cochonneries. Que des cochonneries. Mais c'est pour la route. Fini les courses. Voilà, du coup, on a fini les courses et on mange. Parce qu'on a faim. Ça, c'est... Tiens, ça, c'est pour toi, ça. Moi aussi, j'ai un sucre. Sucré. Ouais. J'ai tous des sushis. Moi, des gyoza. Ça gratte le nez. C'est pas mal, ça, c'est le jour seulement. Ouais, c'est la semaine. Ah, c'est bon, ça. Mukbang. Ah, un peu de sauce, c'est bon. Ouais, attends. J'ouvre juste ma boîte. Je sais pas où. Ah, oui, je sais. Pardon. On fait du trafic d'oignons là. Mmh. Après on va m'acheter des claquettes. Je vais m'acheter des claquettes parce que j'ai pas de claquettes chez moi. Et... chez où les claquettes? Voilà, Nomi. Nomi. Mmh. Bon, j'espère qu'il y en a parce qu'ils ont mis des bottes maintenant. Okay. Claquettes d'été? On met des claquettes comme ça, c'est tout. Mm-hmm. Let's go! C'est parti! C'est le vrai départ! Yeah! Saint-Malo! Let's go! Sois excité! Let's go! Attends. Pour faire une pause pipi. Ouais, voilà, on a fait la moitié du chemin. Ouais, il nous reste 1h50, voire ouais. 1 heure à peu près à une heure à peu près, parce qu'en soi on a fait la plus grosse partie du chemin. Ouais, et pendant tout le trajet, c'est la seule qui a dormi. C'est trop carré, je vais... On va faire pipi là. Allez, ouais. Go. Bah après l'aire de tour. Non, on s'est arrêté où déjà? L'air, ouais, on s'est arrêté à Nadoro. Du coup, on se retrouve à manger McDo. Voilà. Dans un McDo paumé dans une zone industrielle. À Laval. C'est cool. Parce qu'on a un petit peu faim, donc voilà. Faire un petit tour. Sophie, elle va nous guider parce qu'elle était déjà venue à Saint-Malo. Regardez-moi comment c'est beau. Moi, je pensais qu'il les bateaux et tout. En plus, on a du beau temps. This is your castle. This is your boat. Magnifique, il s'appelle Étoile du Roi. En fait, pour pouvoir entrer à l'intérieur, il faut réserver. 120 personnes en bas. Hein? Bien sûr, c'est 120 personnes. Regardez comment il est magnifique. Ah! Pour être touriste chinoise, là. Ouais. Petite pause pisou. Ouais. Du coup, j'ai pas.
goûter la rampage. Ouais, la rampage. Je peux pas ramener ça. Putain, j'ai pas amené la perche. T'as quoi? J'ai pas amené la perche. On va attendre qu'il y ait la perche. C'est posé dans un glacier salon de thé, quelque chose comme ça, qui s'appelle Sanchez. Tadam! Les meilleurs glaces de Saint-Malo. Voilà. Ouais. Énorme les coupes. Ouais, on va montrer les coupes parce que voilà, incroyable. En plus, c'est grave rentable. Je prends une coupe, c'est à peu près 11,50€. Profiterole. Profiterole. Fraise Melba. Est-ce que c'est bon? Je recommande. Oui. A few moments later. C'est tellement gros qu'on a du mal à le finir. Que de la chantilly. C'est trop dur. Surtout que tout à l'heure on a mangé. On avait mangé McDo à 14h jusqu'à 15h. J'ai oublié de vous préciser que là on va faire les petites boutiques. Parce que ici ça ferme à 19h. Pas comme sur Paris. Pas du tout. C'est ça qu'on est habitué à faire le magasin super tard. À 20h30. Guys, c'est trop beau ici. Regardez comment c'est beau. Bienvenue dans mon bateau. Attendez, je vais vous mettre ça en. La cabine. Ah, c'est trop stylé l'horloge. Waouh. Ah, c'est pas ça le prix. C'est tout. Tu penses plus cher. Non, c'est des grandeurs qui sont ouais. Oh, regardez-moi ça. C'est ça. Oh, c'est marrant ça. On peut réutiliser. Ouais. Là, tu demandes. On a de la chance qu'aujourd'hui il fasse beau, j'espère que demain il fera à peu près le même temps. Ouais. Là on va encore se balader, après on va aller tremper nos pieds à la mer. La mer à la sombre. Regardez la belle vue. Wow. On y va. On y va, let's go. Aïe. Oh, regarde, avec la lumière là, ça fait trop bien. Oh, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Est-ce que je peux zoomer? Oui. Regardez la mer, comment elle est trop belle. Ah, c'est peut-être... Non, peut-être que c'est accédé à là-bas. Putain, parce que là-bas, il y a un escalier. Ah, sauf. Peut-être qu'on doit partir. Oh, faut pas tomber là. Il y a un escalier là-bas. Ah ouais, ouais. Thank you.
A few moments later. L'inverse! Inverse! Tout le monde court! Tout le monde court! Ah, je me kiffe! Comme vous avez pu le voir, on s'est pris une inverse dans la gueule. Voilà, ça faisait grave du bien. Après, la chance qu'on a eue, c'est que il faisait grave bon, ouais. Il faisait pas froid du tout, l'eau était très bonne. Elle était à 21 degrés. Adorable. À ski. Et puis après, on s'est pris une grosse affaire. Et puis voilà, c'est tout. Du coup, on est sorti de l'eau et là, on va aller regarder. On va aller là-bas. Regardez le phare. Et je vous laisse admirer du coup la belle sunset. Let's go. On y arrive presque au phare. C'est ça, tous les 5 pas on s'arrête pour admirer du coup la mer. La belle vue. Je suis désolée de la qualité de la vidéo et du comment je filme, enfin du cadrage. Mais je suis trop excitée, I'm so excited. Et là, puis j'ai pas la perche pour stabiliser. J'ai oublié d'utiliser ma main. Et je pense qu'il doit avoir du vent là. Ouais, j'avoue. C'est pas, ça doit pas être agréable. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors aujourd'hui, là tout à l'heure, est-ce qu'on va manger ou pas ce soir? Franchement, j'ai pas très faim. T'as faim? Moi j'ai pas très faim, j'ai peur de pas manger déjà que j'ai même pas fait mon profiterol. Il est quelle heure? Il est 20h-10. Ouais. 20h-10? Ouais. Les restaurants ferment à quelle heure ici? Sinon on peut manger genre vers 20h30, quelque chose comme ça, s'il ferme à 22h, 23h. Ouais. Bah, peut-être que je pense qu'il y a des touristes quand même. Je sais pas. Je sais pas. On prend un peu, on y va. Yes. Donc voilà, on a passé une très belle journée aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Une expérience de se baigner, dirais-je, sous la pluie. De ouf! Moi, j'ai toujours voulu me baigner sous la pluie. Et ben voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'espère que demain il va faire beau en tout cas. Genre. Qu'il fait comme ça. Genre, voyez le ciel, j'espère que demain il va faire comme ça. Parce que la météo nous a prévu de la pluie et de l'orage. On croise les doigts, bon Seigneur, on va prier le Seigneur. Et ça pue en plus, putain. Mais je sais pas, ça vient vers toi. Bon, on voit pas très bien, mais le soleil est très brillant. Là, on va aller du coup chercher des restaurants pour manger. Notre dîner. Il y en a tellement qu'on sait pas quel choisir. On est enfin arrivé à notre appart. Excusez-nous de la lumière. Est-ce qu'il est très tard? Donc là en fait on va réceptionner notre chambre et les clés. Wow.
je vous fais un petit home tour. Voilà, ici on a la chambre. Ici on a la salle de bain. Donc là on a la petite cuisine, le salon, et puis là on a le jardin, mais on va fermer tout ça parce que voilà. Et en fait là c'est un clic-clac, clic-clac. Je me lève. Samedi, on te voit pas. Campé. Campé. On est un peu phasé, mais c'est pas grave. Ça, ça m'a l'air. Oh, c'est léger. Ouais. Good, good. Mais tu sais que. Voilà, après les efforts du voyage, le réconfort, on va jouer du coup à Skyjo. Skyjo, un jeu stratégique de et de quoi de logique. Et de logique. Et un peu de